Hier soir, dans le CSSR Valmont, hôpital européen, la fermeture du CEP des Fiancelles a été organisée. Une visite à vélo électrique des 9 établissements santé médecine, l'UGCAM, PACA et la Corse, Partners. Un chèque 10 000 euros a été donné au Center for Resources à Sclérose Skills, l'hôpital. Timone. Un double but, l'objectif du défi est le double. Souligne Philippe Veret. Il permet à fois visiter nos initiatives générer des dons pour faire avancer recherche sur cette pathologie. En effet, le projet, financé par les partenaires Smile Association en permanence et l'UANGE PACA Corse, a permis collecter 10 000 euros fonds. Un grand succès, Philippe Veret coéquipier pendant le défi. Pascal Ramon, le cadre de réadaptation à UGCAM PACA et en Corse, ne cache pas son enthousiasme. Nous sommes vraiment heureux de partager nos commentaires avec nos partenaires, explique-t-elle. Dans la préparation de la tournée, nous avons à rencontrer des difficultés à faire en sorte que les institutions et les communautés dans le défi soient conscients. Dans un avenir proche, l'association prévoit de renouveler l'expérience.